Bonsoir à tous, ceci est ma dernière vidéo Facebook. Ma dernière vidéo. Je vais parler de dépression. J'ai essayé de voir l'angle spirituel de la dépression. Bon, asseyez-vous confortablement. Couchez-vous bien dans le bras, dans les bras de B. Vous mettez vos écouteurs. Si vous devez partir faire l'amour, déposez le téléphone, vous regardez après. Allez faire l'amour d'abord. Ma dernière vidéo Facebook de la semaine. C'est comment allez-vous? Je quitte Facebook et je pars où? Donald, tu habitais derrière chez ma grand-mère à Tongan. Je demande l'assistance de vos ancêtres et des miens pour que ce message passe correctement. La dépression, c'est quand tu as des pensées négatives qui te viennent dessus tout d'un coup. Tu ne vas jamais devenir riche. Regarde une grosse femme comme toi, comme cela. Tu as dit combien de fois que tu arrêtais que tu allais perdre du poids. Depuis combien de jours tu dis que combien de fois tu as dit aux gens que tu allais commencer à lire le livre. Alors, va manger un peu un bon coup. Quand tu vas manger, tu vas te sentir mieux. Tu pars à la cuisine. Voilà, tu n'es qu'une grosse mangeuse. Regarde-toi. Qui va même t'aimer comme ça? Regarde-toi dans le miroir. Comment tu es grosse. Regarde. Le père de tes enfants est parti, t'a abandonné. Tous les hommes que tu connais t'abandonnent. L'homme là qui est la mère, est-ce qu'il t'aime même? Il ne t'aime pas. Il a dit qu'il t'aime comme ça. Là, non, non, il prétend seulement. Il ne t'aime pas. Va faire comme les autres, après va partir. Voilà. On m'a déjà renvoyé dans trois boulots. On m'a renvoyé. Je suis bon à rien. Personne ne m'aime. Voilà. Depuis le matin, mon téléphone n'a pas sonné. Si elle meurt ici, la chose qu'elle veut faire même un mois avant qu'on va savoir que je suis là, qu'elle était ici. Personne ne m'aime. Je vais finir seule comme ma mère. Voilà. La dépression est réelle. Beaucoup d'Africains, bien malheureusement, rejettent. Ok, le rat Ibiza. Comment ça te lave avec le sel? Les Africains refusent très souvent. On n'aime pas partager notre histoire. Et on va devant les autres, on fait semblant. Vous seriez surpris de savoir ce qui traverse l'esprit des gens que vous voyez. Ils paraissent heureux.
Les couples, comme les couples en mode. Les couples. Heureusement que l'autre groupe biscuit de mer a éclaté une fois. Elle a une fois dit. Pas qu'elle était dépressive, mais si vous saviez la vie que certaines personnes prétendent vivre. Et vous utilisez ce cliché pour vous comparer et vous dénigrer. Voilà, tu vois. Elle est partie là-bas, elle s'est mariée, non? Une femme comme toi, tu n'arrives même pas à tenir un homme. Tu n'arrives pas à garder un homme. Tu utilises la vie apparente d'une personne. C'est seulement ce que tu vois sur les statues. Hein. C'est ça qui vient façonner tes pensées, comme tu es dans ton lit ce soir-là. Voilà. Les enfants de ta voisine ont déjà réussi. Les enfants de la mère là ont réussi. Les enfants de la mère là. Regarde-toi ici. Qu'est-ce qu'on va dire de ta mère? Tu as échoué une fois de plus. Tu vas rentrer au pays sans rien. On va te rapatrier là-bas, tu n'auras rien. Tu vas repartir vivre chez ta mère. Tu as échoué. De toute façon, ça n'arrive qu'à toi. Pour combattre la dépression, vous devez être un optimiste dans l'âme. Moi, j'ai toujours un objet, une phrase clé que je me dis. Dans les bons moments et dans les mauvais moments, parce que je traverse aussi souvent les dépressions. Et le moment où je ressens ça, j'ai un tourbillon de mauvaises pensées qui vient. De toute façon, ce que tu fais, est-ce que ça marche même? Garde tout ça, ça cache tout ça, tu laisses. Laisse tout ça là-bas, tu pars. Tu as de même qui? Waouh, grâce, j'aime les témoignages comme ça là. Tu es une vraie. Tu n'es pas simpleton. Grâce au chef de cuisine, m'a dit mon don aux orphelins depuis janvier. J'ai acheté un terrain. J'ai eu le boulot, ça fait 2 mois. La société chasse les nouveaux, mais je suis toujours là. Mes collègues sont dépassés. J'ai fait mon lavage et je vais acheter les kits. Jusqu'à la gare. Tu vois, j'atteindrai mes objectifs coûte que coûte. Ah, tu viens avec le cahier. Grâce, Corinna. Parfois, c'est à l'aube d'un de tes plus grands succès que la dépression va venir. C'est comme si c'est même une loi de la nature. C'est un test. C'est comme si Dieu va permettre qu'une attaque soit faite sur ta tête. Pour voir si tu vas tenir. Parce que plus tu montes, plus tu seras attaqué. C'est comme si les égrégores là, plus tu as de l'importance, plus tu as de l'argent, plus tu as de la responsabilité, plus les dépressions, les attaques seront fortes. Je t'attends, Marie-Catherine, il faut venir. Donc, je vais vous donner des portes que vous ouvrez parfois qui font que la dépression vous prenne. Chaque fois que tu traverses une mauvaise passe, et puis la dépression, c'est quand tu ne vois pas ton futur, tu ne vois pas comment tu peux t'en sortir. Tu ne vois pas comment ça peut jouer. Comment tu peux être joueuse ou heureux? Là, tout va mal. Comment tu peux me dire que ça va aller? Et là, tu es tenté de dire juste les paroles qui représentent ce que tu vois. Tu es tenté. Voilà, ça ne va pas, non. Ça ne va pas. Là, regarde, ça ne va pas. J'ai perdu mon argent, je suis en prison. J'ai perdu ceci, j'ai perdu. Voilà ta tentation. Et ça joue dans ta tête, ça joue. Garde une fois tout ça, tu laisses.
Si vous m'écoutez ce soir et vous êtes dans la dépression, parfois la dépression est masquée. Mettez les têtes de mort, mettez les têtes des vivants, mettez ce que vous voulez, je m'en fous. Olga, tu es à Makepe, tu viens à Makepe, fais quoi? On est dimanche, vous-même là, vous pensez qu'il ne me repose pas aussi. Donc j'ai une vie, hein. J'ai une vie, oh. Tu viens me chercher dimanche, le visiteur sûrement dit que je ne suis pas là. C'est mon lieu de service là-bas, ce n'est pas ma maison. Hop. Le truc avec la dépression, c'est que tu peux te déprimer, tu ne sais même pas. Parce que quand tu traverses cette zone noire, tu ne connais pas dire que je suis en dépression. Tout ce que tu sais, c'est que tu es dans une mauvaise humeur. Ça a duré depuis 4 jours que tu n'as même pas eu une bonne idée qui est passée. Tu n'as rien qui te rend heureux. Tu manges, tu n'es pas heureux. Tu regardes les films, tu n'es pas heureux. Tu parles au téléphone 10 heures de temps avec des gens, tu n'es pas heureux. Tu cherches une issue. Tu n'es toujours pas heureux. La bataille de la dépression ne se combat pas juste avec les pensées. Genre, ça va aller. Tu es dans la tête, tu te dis, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Si tu pouvais voir dans le spirituel, quand tu es en dépression, il y a des mauvais esprits qui sont autour de toi. Écoutez bien. Si on pouvait scanner le ciel invisible, on te montre. Tu es dans un environnement que tu dois purifier. On te dit, passer dans 2 semaines comment? Est-ce que c'est moi que tu venais voir? Pas là-bas, tu achètes des produits, il y a les produits au magasin. Si tu pouvais, quand on veut scanner, on te montre. Ce que tu veux, tu vas voir les mauvais esprits qui sont sur ta tête, qui sont en train de te dire les choses. Si tu entends voir les gens qui sont en train de te souffler, tu ne peux pas réussir. Rien ne peut marcher dans ta vie. Donc, tu essayes, mais c'est toujours là. La première cause, c'est l'environnement. Vous m'écoutez chaque jour, je parle comment vous devez prendre le sel versé au sol. Prendre le jujube versé dans la chambre. Vous ne faites pas. J'ai même parlé avant-hier de la cannelle. Prends la cannelle, tu fais la cannelle en poudre. Tu verses dans les coins de la maison. Brûle la cannelle, brûle le laurier, brûle le clou de girofle à la maison. Vous devez purifier l'environnement de votre maison. Cette dépression est généralement due au fait que tu n'es pas écouté quand ton instinct t'a parlé. Avant d'en arriver là, tu as eu sûrement l'esprit qui t'a dit, tel gars avec lequel tu parles, telle fille avec laquelle tu parles, ne l'appelle pas aujourd'hui. Quitte l'homme là. Et comme il fait l'amour bien et que tu n'as jamais. C'est comme si c'est la première fois que tu fais l'amour avec quelqu'un. Tu es toujours là. Tu es toujours là. Lave-toi au sel. Tu ne te laves pas au sel. Soit tu as laissé quelqu'un de négatif entrer dans ta maison.
Et quand la personne venait, l'esprit t'a prévenu. Faut pas que la personne a dû ici. Vous savez qu'il y a des gens qui marchent avec des énergies négatives, non? Il y a des gens qui se sont soumis à des énergies négatives. Ils n'ont pas la lumière en eux. Partout où ces gens arrivent, ils amènent la mauvaise présence. Écoutez, ces gens peuvent avoir l'argent ou pas, hein? Ça peut être ta copine la plus riche qui porte les mauvais esprits sur elle. Maintenant, tu dois avoir le discernement. Chaque fois que la fille vient ici, je fais les mauvais rêves la nuit. Chaque fois que je parle avec le gars ici, faites les déductions. Observez. Il y a des personnes que seulement par leur présence. Il y en a, c'est leur parole. Personne ne voit toujours les choses négativement. Vous voyez une situation ensemble. La personne va interpréter ça mal. Toi, tu vas être pessimiste, optimiste. Ouais, tu vois, il y a encore espoir, ça va aller. Au moins, tu vois toujours le verre à moitié rempli. La personne voit le verre à moitié vide. C'est l'énergie de la personne qui va dominer sur toi. Une autre cause de dépression. Tu as fait une prière. Ouais, Esprit Saint, guide-moi, montre-moi quelle direction je suis censé aller. Je me donne à toi, Seigneur. Le lendemain, l'esprit fait, tu perds ton boulot. Parce qu'il faut que tu te consacres finalement à ta mission de vie pour aider les orphelins. Quand tu perds le boulot, tu te dis, non, esprit, je voulais que tu m'aides comme ça, non, esprit. L'esprit, demande plutôt à l'esprit quelle est la direction que tu veux que je prenne. Ne viens pas dire à l'esprit que tu dois me diriger comme ça. Donc voilà, chaque jour tu te... Oh, j'ai perdu mon boulot. Tu t'accroches de ça. Chaque jour tu vas raconter à tout le monde que tu rencontres. On va s'apitoyer sur ton sort. Tu es content à la fin. Tu es triste. Alors que l'esprit fermait la porte là pour t'ouvrir une autre porte pour que tu passes. Donc parfois vous êtes dépressif. On t'a sorti du mariage, où il te tapait. Oh, qu'est-ce que les gens vont dire? Oh, le père de mes enfants. Je ne voulais pas faire mes enfants avec plusieurs pères. Écoute, c'est un fait, c'est un fait. Move on. Avance. Vous rentrez dans la dépression parce que vous êtes ingrat. Vous n'aimez pas la gratitude. Tu vas toujours voir quelque chose qui ne va pas dans ta vie. On apprécie tes chaussures. Oui, mais les chaussures sont bien. Mais tu sais que le père de mes enfants est parti, non? On te donne un compliment. Oui, mais tu sais que... Tu es toujours pessimiste. Pour sortir de la dépression, tu dois développer l'optimisme. Tu dois être un accro de l'optimisme. Chaque situation qui se passe, tu dis... Qu'est-ce que je peux tirer de bon là-dedans? Il y a l'histoire des deux là, non? C'était un roi. Il était allé à la chasse quelque part. Son doigt était coupé. Quelque temps plus tard, on l'a kidnappé. Ce sont des mangeurs d'hommes qui avaient kidnappé. Et il fallait qu'il... Avant de te manger, il fallait qu'il te sacrifie à leur Dieu. Et pour qu'on te sacrifie, il fallait que tu sois parfait. Pas d'os cassé, rien. Mais ils arrivent, ils veulent le sacrifier. On se rend compte que son doigt est coupé. On le met de côté. Et puis quand il échappe, il comprend finalement que tout se passait pour son bien. Everything works for my good. Romains chapitre 8, verset 28. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est une phrase que tu l'as dit dans ta tête.
Et en te disant ça, tu dis, qu'est-ce qui sort de bien de cette situation? Voilà, on m'a agressé, on a pris tous mes 5 millions de fonds de commerce. Au lieu de pleurer, oh, tu vas encore prendre l'argent où? Ils auraient pu me tuer. Ils ne m'ont pas tué. Ils auraient pu me violer. Ils ne m'ont pas violé. Ils auraient pu, ils n'ont rien fait. Je remercie Dieu. Et il y a des choses aussi, il y a des choses clés que tu dois faire pour sortir de la dépression. Ne blague pas avec tes lavages au sel. C'est une bataille de mauvais esprit aussi. Hein. C'est une bataille de mauvais esprit. Crois pas que la dépression qui vient sur toi, c'est seulement c'est la Vierge Marie qui veut te bénir et puis elle a mis tête, elle a mis les mauvaises pensées. Non, non, non. Ton lavage au sel, tu dois le faire. Tu dois brûler les encens dans l'environnement. S'il y a des gens que l'esprit te demande de couper, coupe les gens là. S'il y a des choses que tu gardes et que tu ne veux pas dire depuis, tu peux faire vivre dans la peur. J'ai fait une vidéo ce matin sur la peur. Allez écouter ça pour voir si vous vivez dans la peur ou pas. Donc si l'esprit désire faire quelque chose depuis que tu ne voulais pas faire, fais. Lisez aussi la Bible. Les promesses de Dieu vous aident à sortir de la dépression. S'il faut, va voir un thérapeute. Quelqu'un que tu payes pour qu'il t'écoute. Tu donnes l'argent, tu t'assois, tu bavardes, tu bavardes, tu bavardes, tu bavardes. Aussi utiliser des affirmations. Ou tu y as des affirmations sur YouTube. Tu mets, tu écoutes et tu répètes avec ta bouche. Quand tu es en train de faire une dépression, va te faire ton bain au sel, tu lis le psaume 23. Tu ouvres la bouche, tu parles sur le psaume. Si tu as quelqu'un qui est toujours de bonne humeur et à qui tu fais confiance, appelle la personne. Seulement l'énergie de la personne au téléphone, ça va te libérer. Bon, j'aurais voulu parler un peu plus, mais bon, je suis fatigué, je vais dormir. Vous avez suivi, non? On peut continuer ce débat un autre jour. Je vais vous donner quelques astuces, les affirmations, le bain de sel, vous lisez les psaumes. La présence de l'Esprit Saint va enlever les mauvais esprits. Surtout, vous devez garder le moral haut. Je vous souhaite une bonne nuit.